Je veux d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée. Et je vais commencer par me réjouir du succès de cette journée pédagogique qui m'étonne parce que lorsque j'étais étudiant il y a bien longtemps et au siècle dernier, je vous dis pas dans quelle université, j'avais d'excellents professeurs qui étaient des savants, mais qui se préoccupaient assez peu de leurs étudiants. Hein. Et je constate avec plaisir que les choses ont changé ou sont en train de changer. Alors, deuxième remarque préliminaire, c'est que je me suis occupé toute ma carrière de formation des enseignants, de premier et de second degré. Je ne suis pas spécialiste de pédagogie universitaire. J'ai travaillé beaucoup sur la pédagogie, sur la définition de la pédagogie, mais je ne suis pas spécialiste de pédagogie universitaire. Aussi, je ne vais pas axer mon intervention sur des points techniques, mais je vais plutôt essayer de réfléchir avec vous sur la signification de ce souci pédagogique nouveau à l'université et sur quelques-uns de ses implications. Et donc je vais prendre comme fil conducteur l'expression d'innovation pédagogique. Voilà. Innovation pédagogique, pourquoi, pour qui, voilà. Innovation pédagogique. Et je poserai trois questions. D'abord, pourquoi cet engouement pour la pédagogie à l'université ? Et deuxièmement, pourquoi parler d'innovation pédagogique plutôt que de changement, plutôt que ça ? Et troisième question, à quelles conditions une innovation peut-elle être vraiment pédagogique ? Alors, je dois commencer par m'excuser parce que je n'ai pas pris de grands risques technologiques. Hein. Donc, je me situe plutôt, si vous voulez, voyez, dans les images là, du côté de, je ne sais pas si c'est une école coranique ou une école talmudique. Voilà. Mais comme Denis Médard nous a dit que finalement, il y avait assez peu de différence entre les deux ce matin, ça me déculpabilise un petit peu. Hein, voilà. Mais comme mon exposé est d'allure réflexive, je trouve que la forme PowerPoint n'y correspond pas tout à fait. Alors, pourquoi cet engouement pour la pédagogie à l'université ? Mon étonnement devant le succès de cette journée vient du fait que, traditionnellement, en France, hein, particulièrement, le souci du savoir s'est vu souvent opposé au souci de la pédagogie. Hein, comme si les savants étaient naturellement pédagogues, et comme si le souci de la pédagogie était la marque d'un désintérêt, ou du moins d'une certaine désinvolture envers les savoirs. Et nous avons vu cette opposition des savoirs et de la pédagogie s'exacerber dans les récentes querelles autour des réformes scolaires ces dernières années, enfin ces dernières années, depuis les années 1980 en réalité. Mais cette phase n'est que la résurgence de beaucoup d'épisodes antérieurs. Et je ne peux pas m'empêcher de citer le grand sociologue Émile Durkheim, qui était, on l'oublie trop souvent, un des premiers à occuper la chaire de sciences et éducation de la Sorbonne. Hein. C'était dans la réforme des lycées de 1902. Et Durkheim s'étonnait, hein, en Sorbonne, du mépris des intellectuels pour la pédagogie. Et il y voyait une bizarrerie de notre humeur nationale. Voilà. Une bizarrerie de notre humeur nationale. Et pourtant, disait-il, en France, on s'occupe de politique, on s'occupe de stratégie, etc. Mais les choses de l'éducation, eh bien, ne sont pas objet de réflexion. Sont indignes de réflexion. Donc la pédagogie ne fait pas partie de la culture légitime, ce qui l'énervait beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a écrit un grand livre, L'évolution pédagogique en France, pour
montré que la pédagogie avait une histoire, que c'était intéressant, qu'on devait s'en occuper au lycée et même à l'université. Et donc, Durkheim achève son discours en disant « La pédagogie n'est autre chose que la réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible aux choses de l'éducation. » Voilà. Je partirai de cette définition qui, bien sûr, je préciserai, mais qui suffit pour le moment. Alors pourquoi faut-il se soucier de pédagogie dans l'enseignement supérieur aujourd'hui plus qu'auparavant? Alors un certain nombre de causes sont souvent avancées. Elles sont résumées notamment dans le récent rapport de Claude Bertrand, hein, c'est un rapport à la ministre de l'Éducation nationale, c'est en novembre 2014, et Claude Bertrand rappelle les phénomènes de massification, hein, de normalisation, toutes les lois de certification, le processus de Bologne, etc. Il souligne le développement des technologies numériques et il souligne aussi les échecs des étudiants dans l'enseignement supérieur dont on a parlé tout à l'heure. Ces effets, ces différents phénomènes font que, selon le rapport Bertrand, la pédagogie est maintenant un sujet à part entière dans la politique universitaire, une question dans l'air du temps. Même si ce rapport identifie bien des freins à la transformation pédagogique et décrit des leviers à actionner pour favoriser ces nécessaires transformations. Alors je dirais que plus fondamentalement, d'un point de vue philosophique, on peut caractériser la préoccupation pédagogique comme le résultat d'une rupture d'équilibre dans le sens donné par les différents acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants, l'État, la société civile, à l'activité éducative. Or, j'ai l'habitude de définir la pédagogie comme une vigilance au sens. En reprenant la théorie du philosophe Gilles Deleuze, hein, pour laquelle le sens se déploie dans les trois dimensions de la signification, de la référence et de l'expression. Je vais expliquer. Il y a nécessité de la pédagogie, à mon avis, quand l'une ou l'autre de ces dimensions, ou les trois, font problème. Et c'est dans cette triple dimension que s'exerce aujourd'hui le questionnement pédagogique. Alors du côté de la signification, qu'est-ce qui se passe? On en a évoqué certains aspects. On observe en effet que la valeur épistémologique du savoir ne va plus de soi, que la divulgation des savoirs par les outils numériques, l'affaiblissement du cloisonnement disciplinaire, académique, face aux nouveaux défis scientifiques, les nouveaux modes de production de la connaissance, font que l'institution universitaire n'est plus le seul lieu de la légitimation du savoir savant. Du côté de la référence, on observe que l'enseignement supérieur se doit aujourd'hui, plus qu'autrefois encore, se doit de se professionnaliser et de répondre aux injonctions du monde économique. Donc se voit sommé de plus en plus, et on le voit même au niveau de la recherche, pas simplement au niveau de l'enseignement, sommé de produire des savoirs immédiatement utilisables. Et du côté de l'expression, l'élargissement de la population étudiante, au-delà des traditionnels héritiers dont parlait Bourdieu, entraîne un changement du rapport au savoir. De sorte que les tâches scolaires classiques, comme écouter, prendre des notes, etc., paraissent souvent inadaptées. On peut ainsi voir dans cette triple rupture de sens, dans la signification, la référence ou la manifestation, ou l'expression, des raisons profondes du questionnement pédagogique. Et inversement, toute pédagogie, toute réflexion pédagogique s'efforce de reconstruire une articulation nouvelle de ces dimensions. D'où un certain nombre de problématiques. Comment retrouver la valeur épistémologique des savoirs? Comment leur redonner de la saveur? Comment mettre en évidence l'intérêt de ces savoirs, sinon leur utilité pour la vie professionnelle, sociale, personnelle? Comment rendre le savoir accessible à tous? Alors, cette recherche de sens engage, et je voudrais souligner ceci, les conceptions mêmes de l'université. Je voudrais tout de suite écarter l'idée que la pédagogie puisse se réduire à l'invention de techniques ou de procédés.
Certes, cela implique, la pédagogie implique des démarches, des méthodes, des techniques, des procédés, mais elle ne s'y réduit pas. Bien plus, l'invention de ce dispositif, de ces procédés, n'est valable que si elle est orientée par une recherche sur le sens, et donc si on la met dans l'horizon de la finalité des institutions universitaires. Au fond, il s'agit de savoir, à travers ces innovations, quelle université nous voulons. Or, on distingue généralement trois types d'universités. Le premier type, on pourrait dire l'université de l'éducation libérale, c'est probablement le cardinal John Newman, à la fin du XIXe siècle, qui l'a défini le mieux. Il s'agit d'une université dite libérale, au sens culturel et non économique du mot libéral. Dans cette université est pensée comme une communauté d'échanges et de discussions. C'est une université d'enseignement et non de recherche, puisque la recherche pour Newman s'effectue dans les sociétés savantes. Et l'université a donc pour but de procurer aux étudiants une formation intellectuelle et morale, c'est-à-dire une culture. Donc l'université de Newman n'est ni une université de recherche, ni une université professionnelle. On pourrait dire que cette université est très éloignée de la nôtre et qu'elle retraduit les tendances élitistes de la société britannique du XIXe siècle. Mais par-delà ce contexte particulier, il y a l'idée que de la formation d'un homme cultivé, quelque problématique que soit aujourd'hui la définition de cet idéal. L'université à la Newman semble bien éloignée de la nôtre, mais quand nous protestons contre ce que nous pensons être l'excessive soumission de l'université aux exigences utilitaristes de la société, nous retrouvons finalement certains arguments de Newman. Évidemment, ce qu'a d'inactuel la pensée de Newman réside dans le fait qu'il place la recherche à l'extérieur de l'université. Et Newman réagit par là contre une conception plus ancienne de l'université, qu'on appelle l'université de recherche, qu'on s'accorde à faire naître à l'université de Berlin au début du XIXe siècle, 1810, sous l'impulsion d'un grand savant linguiste, Wilhelm von Humboldt. Ici, l'université est pensée comme une communauté de chercheurs et d'étudiants qui a pour mission essentielle de chercher la vérité. Et pour l'atteindre, elle doit se donner comme tâche première la recherche scientifique. L'université repose alors sur deux principes, la liberté accordée aux étudiants de choisir leurs enseignements et celle accordée aux enseignants-chercheurs de définir eux-mêmes leur objet de recherche et d'enseignement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une forte symbiose entre enseignement et recherche. Cette université plaide pour une recherche désintéressée, pour la recherche du savoir pour lui-même. Est-ce à dire qu'elle se désintéresse des demandes sociales ? Non, comme le soulignera Karl Jaspers, l'université de recherche est sous-tendue par ce paradoxe qui veut que ce soit la recherche apparemment la plus désintéressée qui soit également la plus porteuse d'effets pratiques. L'utile ne peut s'atteindre que grâce à un détour par l'inutile. Pour définir le troisième type d'université, l'université dite de service, on se réfère généralement aux propositions formulées par Norbert Whitehead. Ici, l'université n'est pas au service de la vérité ou de la science, mais au service de la société, et non pas d'une société en général, mais d'une société particulière, américaine, britannique, française, etc. Alors, il ne faut pas caricaturer cette position en l'assimilant à l'utilitarisme étroit du néolibéralisme. Whitehead n'est pas un homme d'affaires, c'est un grand mathématicien, collaborateur de Russell, Bertrand Russell, dans les Principia Mathematica. Et dans son ouvrage « Les buts de l'éducation », Whitehead n'exclut pas la culture générale et la formation scientifique. Mais contrairement à l'éducation libérale de Newman, et même à la conception de l'université humboldtienne, il insiste pour qu'elle se porte, l'université, à la rencontre de l'action et participe au progrès de la société. Loin de considérer la culture et la science comme des fins en elles-mêmes, il n'a aucune objection à ce que l'éducation, quelle que soit sa forme, soit utile. Alors,
peut-être que cette université de service vise à détruire les dualismes que nous avons, que notre culture a adressé entre la culture des intéressés, l'enseignement professionnel, le savoir utile, etc. J'arrête là ma réflexion sur les modèles d'université. Probablement que... Je laisse à chacun d'entre vous le soin de dire où se situe l'Université de Nantes par rapport à ces modèles-là. Je crois que aujourd'hui, l'Université de Nantes, comme beaucoup d'autres, est diverse. Et peut-être que, en effet, selon les formations, selon les lieux, selon les types de formations internes, il y a des références multiples à plusieurs modèles. On parle quelquefois de multiversité. Ce que je voudrais dire, c'est que la pédagogie n'est pas réductible à des techniques ou des procédés. Elle ne se réduit pas au comment enseigner. La question de comment enseigner est inséparable de celle du quoi enseigner. On a réfléchi aujourd'hui sur le curriculum. Et cette conjonction du quoi et du comment ne peut s'effectuer sans horizon politique. Tous les grands pédagogues de la tradition ont développé conjointement ces trois questions. Du comment, du quoi et du pourquoi, finalement. C'est pourquoi je pense que la pédagogie universitaire ne pourra se développer sans une réflexion de fond sur quelle université nous voulons. Et ça engage comme question, par exemple, quel type de professionnalisation est-il légitime de promouvoir à l'université ? Peut-on enseigner des savoirs utiles sans dimension culturelle, historique ou philosophique ? Peut-on se satisfaire du grand partage entre l'être et sciences humaines ? Pardon, du grand partage entre l'être et sciences humaines d'une part et sciences dures d'autre part. J'arrive à ma deuxième question, pourquoi parler d'innovation ? Voilà, mon étonnement devant l'intérêt de l'université pour la pédagogie s'estompe un peu quand je vois que ce souci pédagogique est placé sous le signe de l'innovation. Ce terme d'innovation me laisse un peu perplexe. Il est tout le moins ambigu. Il traduit certes une idée de changement, il s'oppose à l'immobilisme, et on peut penser en effet que l'université a besoin de changer. Notons toutefois que l'innovation, en latin « innovare », signifie apporter un changement dans quelque chose qui reste stable. Et on l'a dit ce matin, l'innovation ne signifie pas nécessairement bouleversement. Il y a un gradient de l'innovation qui va de l'aménagement à l'invention. Et bien des recherches montrent que l'introduction de nouvelles technologies dans l'enseignement vient plutôt optimiser des formes pédagogiques existantes qu'en créer de nouvelles. On peut penser au PowerPoint, par exemple. Déjà, Françoise de Croo, qui est une spécialiste de l'innovation, s'était interrogée, déjà il y a quelque temps, sur l'importation de ce terme dans le domaine pédagogique. Ce terme, finalement, vient de l'économie. L'innovation, c'est la réponse des économistes libéraux, on a parlé de Schumpeter ce matin, à la prophétie de Marx, selon laquelle le capitalisme va s'autodétruire. Et la réaction des économistes libéraux de dire, eh bien, pour que ce capitalisme ne s'autodétruise pas, il faut mettre au centre l'innovation. Il n'y a que l'innovation qui peut sauver le capitalisme de sa destruction. Et donc on voit arriver ce terme d'innovation dans les manuels de management des années 50. Or, comme Michel Foucault a montré que le néolibéralisme n'est pas simplement une économie, mais une biopolitique, c'est-à-dire une tentative pour changer les mentalités et les comportements, on peut parler d'une injonction générale à l'innovation dans notre société. Sur le plan individuel comme collectif, le slogan pourrait être « innover ou périr ». Or, cette idée d'innovation semble liée à ce que le philosophe allemand Hartmut Rosa nomme l'accélération dans nos sociétés. L'accélération dans nos sociétés,
Voilà, c'est le fait que les choses vont de plus en plus vite, que nous faisons de plus en plus de choses dans le moins de temps. Mais dit Rosa, au lieu de dégager du temps libre, cette accélération, en fait, nous crée de la demande de faire encore plus de choses, etc. Si bien qu'il y a une image qui revient chez lui, hein, c'est celle, vous savez, de ce coureur qui court sur le tapis roulant et qui, finalement, court en faisant du surplace. Voilà. Alors, il faut donc entendre les propos de sociologues très critiques sur l'innovation, hein, qui soulignent donc cette dimension managériale de l'innovation. C'est devenu un slogan, un des maîtres mots de la novlangue des politiques publiques. Hein, une logique gestionnaire. Alors, je ne voudrais pas être négatif par rapport à l'innovation. Je voulais simplement souligner le fait que c'est un terme ambigu qui est pris, qui vient de l'économie libérale. Hein. Et donc, il faut probablement le traduire ou importer son sens. Et je vois que le Conseil national de l'innovation, le CNIRE, hein, le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, qui est présidé par le Didier Lapeyroni, tente de délester cette notion d'innovation de son poids managérial en lui donnant une coloration humaniste. Au fond, innover à l'école, c'est rendre l'école bienveillante, accueillante, performante. Bon, comment ne pas être d'accord avec cette formule, hein ? Donc, l'origine managériale de l'innovation doit nous inviter à être un peu perspicace et critique sur les mirages qu'elle peut provoquer. Ceci dit, il faut bien reconnaître que les problèmes de l'université requièrent aujourd'hui de nouvelles formes pédagogiques qui ne soient ni des gadgets, ni des dispositifs technocratiques, mais qui engagent de nouvelles manières réfléchies et durables d'expérimenter l'enseignement et l'apprentissage. Alors, quelles sont les directions de l'innovation pédagogique à l'université aujourd'hui? En lisant un petit peu la littérature, il me semble que cela va dans trois directions. L'individualisation, la connectivité et la mise en action des étudiants. Les injonctions à la construction d'un projet professionnel et personnel, cette injonction étant appuyée sur différentes sortes de dispositifs, des portfolios numériques, des formes multiples de suivi, d'accompagnement, conduisent à une individualisation de la formation. L'idée est que le pilotage l'étudiant doit piloter lui-même sa formation. Le deuxième principe est celui que j'appellerais de connectivité, qui vise à briser la relation classique maître-élève de la pédagogie traditionnelle. Selon le principe de connectivité, l'enseignement n'est plus le magistère qui transmet le savoir, mais un créateur et un gestionnaire de ressources, notamment numériques, un animateur, un référent que l'on peut solliciter. L'étudiant est invité à se connecter à des bases de données avec ses pairs, avec d'autres personnes référentes également, pour progresser dans les tâches et ses apprentissages. La relation traditionnelle prenait la forme d'une ligne hiérarchique. La connectivité est fondée sur le réseau, à la fois réseau de savoir et réseau de communauté apprenante. Être connecté, c'est à la fois cheminer dans le savoir et communiquer avec des pairs et des personnes ressources. Et enfin, l'innovation pédagogique à l'université se réclame le plus souvent du constructivisme, voire du connexionnisme. Et ce qui sous-tend les références théoriques qui peuvent être très différentes, c'est le grand principe finalement, vous savez, on n'a rien inventé, c'est le grand principe de la pédagogie nouvelle, hein, de Rousseau à Piaget et Vygotsky, selon laquelle la focalisation doit se déporter du processus enseigné sur le processus apprendre. Alors, je voudrais insister sur deux exigences à prendre en compte dans ces types d'innovation. D'abord, une exigence que j'appellerais épistémologique ou didactique. Je crois que dans les innovations, il faut faire attention à ce que l'attention sur les procédés, les dispositifs, ne se fasse pas au détriment de l'attention au contenu.
Dans la pédagogie de l'enseignement secondaire, que je connais mieux, il est arrivé que les innovations, comme les situations problèmes, par exemple, ou les études de cas, l'effort soit porté sur la conception des dispositifs au détriment de l'attention au contenu. Et on a vu fleurir de magnifiques situations problèmes, mais dont les objectifs de savoir étaient épistémologiquement indigents ou mal cadrés. Encore une fois, en pédagogie, la démarche et le contenu sont inséparables. Il me semble que l'innovation pédagogique à l'université pourrait s'alimenter du travail des didactiques des disciplines, ce travail qui s'est effectué dans toutes les disciplines de l'enseignement secondaire. Innover, c'est mettre en place des dispositifs, mais c'est aussi analyser le contenu d'apprentissage, voir ce qui est important à apprendre et connaître les représentations des étudiants, les obstacles, comme disait Bachelard, que ces étudiants vont avoir par rapport au contenu. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas cette analyse didactique, je crains beaucoup le gadget. Ma deuxième remarque portera sur le caractère institutionnel des innovations. Françoise Cros notait déjà que les innovations technologiques étaient généralement encouragées, mais que les innovations institutionnelles étaient généralement beaucoup plus difficiles à admettre. Or, il faut bien voir que les nouvelles tendances de la pédagogie universitaire impliqueront nécessairement de repenser le métier d'enseignant du supérieur et les formes institutionnelles dans lesquelles l'enseignement est dispensé. Je crois que dans le rapport de Sophie Orange, on voit bien pointer ce phénomène. Cela affectera nécessairement la dualité du cours magistral et des travaux pratiques et la hiérarchie entre les deux. Comment prendre en compte dans les services des enseignants les suivis individualisés qui ne se réduisent pas à l'accompagnement des mémoires de recherche, tout ce travail invisible dont parle Sophie Orange. Tout ceci exigera probablement une nouvelle définition des services et en particulier exigera la meilleure prise en compte de l'engagement pédagogique dans les carrières. Et la difficulté me paraît aujourd'hui aggravée par la crise économique. Comment éviter, monsieur le président de l'université, comment éviter que dans une époque de pénurie, le recours aux nouvelles technologies de l'information ne soit l'occasion d'économiser des heures et de supprimer des postes ? Nous devons veiller à ce que l'innovation ne soit pas récupérée comme outil de gestion. Troisième question, quand est-ce qu'une innovation devient vraiment pédagogique ? Je crois qu'il faut insister sur, au fond, l'idée de pédagogie. Et je vais prendre comme fil conducteur toujours mon Durkheim, sociologue et pédagogue, en tout cas, chercheur en sciences de l'éducation. Pour Durkheim, la pédagogie ne se réduit pas à une pratique. C'est bien une théorie. C'est bien une théorie. Mais une théorie non scientifique. Alors que la science de l'éducation vise la description et l'explication des phénomènes éducatifs, la pédagogie est une discipline praxéologique, dit Durkheim. C'est-à-dire qui tend à l'amélioration de l'action éducative par la critique et l'innovation. Certes, les sciences humaines et les sciences de l'éducation peuvent procurer à la pédagogie un certain nombre de repères. Personne ne le niera. Mais la pédagogie elle-même n'est pas une science. La pédagogie est donc une théorie issue de la pratique et pour la pratique. Et Durkheim est obligé de forger ce monstre théorique de théorie pratique, avec un trait d'union entre les deux. À l'instar de la politique, dit-il. Ou de la stratégie. Lorsque cette réflexion se formalise, elle se traduit dans un corps de doctrine. On parlera d'une pédagogie de Crowley, de la pédagogie de Freinet, de Ney, etc. Dans le prolongement de Durkheim, on pourrait dire qu'est pédagogue celui qui pratique lui-même et qui réfléchit sur sa propre pratique. Celui qui pratique lui-même et qui réfléchit sur sa propre pratique pour créer un plus pour sa communauté professionnelle. On a vu aujourd'hui, on a entendu des pédagogues.
Le pédagogue se distingue du philosophe de l'éducation ou du chercheur en sciences de l'éducation qui pense ou qui décrive la pratique des autres ou les pratiques possibles. Il se distingue également de l'enseignement chevronné, qui a sans doute de bonnes pratiques, mais qui ne les théorise pas. On peut en tirer une conséquence, c'est que la pédagogie relève du grand écart. Il n'y a pas de pédagogie sans réflexion sur le sens, comme j'ai tenté de le montrer, mais en même temps, le pédagogue n'est pas le philosophe, n'est pas le chercheur en sciences humaines. Il met la main à la pâte et dans le cambouis. Ce grand écart fait que le pédagogue ne peut croire au miracle et à la perfection. Il ne se laisse pas fasciner par les innovations. Même s'il les pratique assidûment, il n'en attend pas des miracles. Ainsi, le pédagogue est-il voué à la modestie, on l'a vu aussi, et à la médiocrité, à l'échec. Parce qu'il éprouve dans sa chair l'écart entre le dire et le faire, l'idéal et le faisable. Hein ? Et vouloir réduire cet écart entre l'idéal et le faisable serait transformer la pédagogie en science, alors qu'elle ne peut consister, comme l'avait bien vu Durkheim, qu'en une pratique réflexive, même si elle peut et doit bénéficier des apports de la recherche et de l'éducation. Le deuxième aspect de la pédagogie que je voudrais évoquer, c'est son côté biface, son côté problème ou résolution de problèmes et son côté épreuve. Le problème renvoie au côté rationnel de l'expérience, ce qui tend vers l'expérimental. On fait des expériences pédagogiques. On essaie d'objectiver ces expériences. On essaie de les évaluer le plus rigoureusement possible, de les transférer. À l'inverse, le côté épreuve désigne l'expérientiel. Le fait que cette expérience soit unique et mienne, que personne ne puisse la faire à ma place. Dans la théorie pratique, les dimensions subjectives et objectives de l'expérience s'étayent les unes les autres. C'est à partir d'une expérience singulière que s'engage une innovation qui va s'objectiver en un produit qui va pouvoir certes se détacher de son auteur, mais toujours au risque d'être déformé, mal compris. On pense à la récupération par l'éducation nationale des techniques freinées, comme l'imprimerie ou le texte libre, récupération qui ont complètement dénaturé l'esprit freiné. Cela jette un doute sur les transferts de pédagogie qui s'exposent aux mêmes avatars que les transferts de technologie quand ils ne sont pas accompagnés et quand on ne s'interroge pas assez sur leur sens. En tant qu'épreuve, la pédagogie est également engagement éthique et politique. On l'a vu tout au long de cette journée. En général, les grands pédagogues de la tradition disent que ça part d'une révolte contre le sort qui est fait aux élèves, aux enfants, aux étudiants. Et on a entendu les échos de cette révolte. Hein. Et c'est donc une résolution éthique. Hein. Et pédagogue, celui qui reconnaît bien sûr les contraintes, il n'est pas naïf, il sait bien que les étudiants ne sont pas toujours attentifs, etc. Mais il ne se réfugie pas derrière les alibis du genre « le niveau baisse »,« on n'y peut rien, ma pauvre dame »,« ils n'écoutent plus »,« ils ne savent plus prendre des notes »,« ils ne s'intéressent plus à rien », etc. Le pédagogue est celui qui prend les étudiants comme ils sont et ne renonce pas à les faire évoluer. Hein. C'est donc le principe d'éducabilité hein, qui fonde cette expérience pédagogique. Alors, je vais terminer sur l'idée que, est-ce que ça produit du savoir, la pédagogie ? Est-ce que cette expérience pédagogique produit des savoirs ? Eh bien, je crois que ça produit quatre types de savoirs hein, qui sont spécifiques, qui ne sont pas les savoirs de type de qui produit la recherche scientifique, ce sont les savoirs spécifiques à la pédagogie. Je crois que la pédagogie, d'abord, elle, en innovant, elle découvre du faisable, c'est-à-dire, en effet, des techniques, des procédés, des dispositifs, d'autres manières d'apprendre. C'est ça l'aspect le plus visible. Hein. Mais la pédagogie renvoie aussi à un esprit, l'esprit freiné, par exemple. C'est-à-dire une nouvelle vision de l'enfance, de la jeunesse, de l'école, de l'université, du savoir, etc. Ça constitue une ouverture des possibles. On rentre en pédagogie quand on a l'impression, on a l'idée qu'autre chose est possible. Et il n'y a pas de pédagogie
sans cette dimension utopique, qui n'est pas évaluable, qui n'est pas contrôlable, comme est contrôlable le dispositif, le procédé, la technique. Troisième type de savoir, la pédagogie comme expérience produit également un savoir existentiel des continuités, des ruptures, des résistances. Un savoir herméneutique sur soi-même, sur les difficultés du changement. On a vu aussi des bribes aujourd'hui. On a compris la difficulté qu'avaient les innovateurs avec non seulement le contexte, mais aussi avec eux-mêmes. Parce que, au fond, innover, c'est aussi se changer soi-même. Et donc, ce savoir expérientiel se donne dans les récits, professionnels ou personnels du pédagogue. Ça constitue son expérience. Et enfin, je dirais qu'il y a aussi des savoirs de type critique qui naissent de cette expérience pédagogique. Parce que d'abord, la pédagogie commence par une critique de l'existant. Mais ça ne suffit pas. Cette dimension critique, elle doit aussi accompagner tout le processus d'innovation. On l'a vu d'ailleurs un peu, quand on constate que ça ne marche pas, quand on constate que l'innovation n'est pas satisfaisante, il y a la nécessité d'un processus continu d'autocritique, de critique de l'existant, et sans ce processus d'autocritique, eh bien, la pédagogie dégénère assez vite. Or, je crois que l'innovation devient véritablement pédagogique quand elle assume toutes les dimensions de la pédagogie, ces dimensions pragmatiques, réflexives et critiques. Quand elle se conçoit non seulement comme un ensemble de procédés ou de dispositifs, mais aussi et surtout comme un processus à la fois expérimental et expérientiel. Quand elle accepte le grand écart entre la conception d'objets techniques et l'horizon éthique et politique de la réflexion. Quand elle conjugue le courage d'entreprendre et la lucidité, pour laquelle il n'y a pas de miracle, même technologique. Voilà. Alors je conclue. Finalement, quelle est la fonction de la pédagogie ? Durkheim, encore, lui, disait que l'éducation, on le trouve dans toutes les sociétés. Mais la pédagogie, on ne trouve pas dans toutes les sociétés. La pédagogie apparaît lorsque l'éducation fait problème. Or, on peut dire que l'éducation fait problème aujourd'hui à l'université. Or, disait Durkheim, les sociétés modernes à évolution rapide secrètent des crises à répétition. La pédagogie devrait donc, selon Durkheim, devenir une fonction continue de nos sociétés. Voyez, le SUP, finalement, a du temps devant lui, parce que, au fond, comme la société change, Durkheim disait une éducation machinale. Une éducation machinale n'est plus possible. La pédagogie, disait-il, constitue donc la force antagoniste de la routine, ce qui permet de lever les obstacles au progrès nécessaire. À récuser la réflexion pédagogique, on promouvrait tout à la fois un scientisme applicationniste. Vous savez, le scientisme applicationniste, on l'a vu dans toute l'histoire de la pédagogie. Il y a toujours des gens. Alors, tantôt ce sont des médecins, excusez-moi, les médecins, tantôt ce sont des sociologues, tantôt ce sont des neurosciences, maintenant, qui viennent vous dire, vous allez voir ce que vous allez voir, on va régler vos problèmes d'apprentissage. Plus besoin de pédagogie, maintenant qu'on connaît comment on fonctionne le cerveau, vous allez voir. Bon, ça, c'est le scientisme applicationniste. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Mais en même temps, il y a le danger de l'improvisation aveugle. On essaie des trucs, bon, mais sans trop réfléchir et sans trop suivre l'innovation, sans trop entrer dans un espace critique de discussion avec les collègues, etc. Et puis il y a l'immobilisme nostalgique qui nous ferait regretter l'université d'avant. Voilà. Alors si la pédagogie n'existait pas, je crois que c'est le mot de la fin, si la pédagogie n'existait pas, il faudrait l'inventer. D'ailleurs, elle est toujours à réinventer. Je vous remercie.
Alors, nous avons le temps pour des questions, donc nous allons faire passer les micros. N'hésitez pas. Allez, juste pour le fun, je vais prendre les armes en défense du scientisme, parce que d'une part, on peut très bien dire ça n'a jamais marché, mais c'est à mon sens pas une étape logiquement acceptable de dire que donc ça ne marchera jamais. Et d'autre part, moi, mon approche, c'est un peu de la méthodologie de la recherche clinique. On ne sait peut-être pas comment ça marche sur les bases fondamentales, mais néanmoins, on a la possibilité de tester empiriquement différents outils et voir si, en fonction de mon objectif, qu'est-ce qui marche mieux, un truc comme un autre. Donc, pour moi, c'est une démarche scientifique qui peut aider à avancer. Alors, oui, il faut préciser, quand je dis, quand je parle de scientisme, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas faire de la pédagogie sérieusement. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de place pour la recherche pédagogique. La recherche pédagogique, en effet, on fait des essais, on les contrôle, alors il y a différentes méthodes. Ça, c'est la recherche pédagogique, et c'est tout à fait... Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Le scientisme, c'est l'idée qu'il y a des sciences fondamentales. Alors aujourd'hui... je dirais que c'est plutôt du côté des neurosciences. Voilà, des gens qui vous disent bah, « De toute façon, votre bricolage pédagogique, c'est n'importe quoi. Nous, avec nos recherches fondamentales, la connaissance globale du fonctionnement du cerveau, vous allez voir ce que vous allez voir. Les méthodes de lecture, les méthodes d'apprentissage, tout ça, on va vous dire exactement ce qu'il en est. » Et vous n'aurez qu'à appliquer ce qu'on vous dit de faire et ça marchera. Et donc, on a eu dans toute l'histoire de la pédagogie ces tentations-là. Hein. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Durkheim avait raison de dire que la pédagogie, c'est une théorie pratique. C'est-à-dire, c'est une pratique qui, certes, doit évidemment s'alimenter de toutes les connaissances psychologiques qu'on a sur l'apprentissage, de toutes les connaissances sociologiques sur le fonctionnement, évidemment. Mais le scientifique n'est pas en position de dire au pédagogue « voilà comment il faut faire ». Voilà ce que je veux dire. Et c'est toujours cette tentation. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que la pédagogie universitaire réinvente la roue. Je plaiderai... Alors j'ai plaidé toute ma vie en sciences de l'éducation sans avoir été beaucoup entendu sur l'idée d'une histoire de la pédagogie. Parce que si, figurez-vous que la pédagogie, c'est une vieille histoire. Donc il y a des gens qui ont fait des expériences, il y a des gens qui ont décrit des systèmes. Il ne s'agit pas de les imiter et de refaire, mais ces gens-là ont aussi décrit leur expérience. Ils ont montré comment... surtout, ils ont analysé leurs échecs. Et donc, dans la pédagogie, on a aussi toutes les tentations, et en particulier la tentation scientiste, qui revient très très souvent. Il y a toujours quelqu'un qui dit « vous allez voir ce que vous allez voir ». Alors, quelquefois aussi, c'est les psychologues, mais même Piaget. Piaget, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire une psychopédagogie. C'est-à-dire, à partir du moment où on connaît les lois du développement de l'enfant, eh bien, on va en déduire une pédagogie. Mais ça ne marche jamais. C'est pas... Et, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire au Piaget. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire. Voilà, tentation du scientisme. Voilà. On a une autre question par là-bas. Oui, donc moi, ma question porte plutôt sur la formation, parce que vous avez très largement ouvert, du coup, le débat, et de manière vraiment très, très intéressante. Mais on voit à quel point la pédagogie est indissociable de dimensions épistémologiques, de dimensions scientifiques, technologiques, de dimensions praxéologiques, d'une dimension expérientielle, enfin bref, tout ce que vous avez développé. Et on voit aussi que des modèles pédagogiques existent depuis des centaines d'années. Alors moi, ma question qui me venait, c'est comment vous voyez aujourd'hui, ou quelle direction vous verriez aujourd'hui pour la formation d'enseignants, de futurs enseignants, donc
de l'enseignement supérieur qui leur donnerait cette ouverture, lucidité, enfin, en tout cas, qui les engagerait dans cette démarche réflexive à laquelle vous nous invitez finalement. Oula. J'ai dit que j'étais pas spécialiste de l'enseignement universitaire. Il y a des gens qui sont beaucoup. Vous voulez pas répondre à ma place? Non. Écoutez, je sais pas. Je voudrais dire qu'une seule chose. Ma compagne est là. On a beaucoup travaillé dans la formation des enseignants du secondaire. Et à mon avis, le centre, le cœur de la formation, c'est l'analyse de pratique. C'est l'analyse de pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir... Il y a des tas d'autres dimensions. On peut faire de l'histoire de la pédagogie, on peut connaître les méthodes d'apprentissage, etc. Mais tant qu'on ne réfléchit pas avec d'autres sur ses propres pratiques, il n'y a pas, si vous voulez, le dynamisme du progrès. Voilà. Alors, et quand je dis réfléchir avec d'autres sur ses propres pratiques, je dis en même temps... l'échange de pratiques par les pairs ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des grilles de lecture, il faut qu'il y ait des perspectives épistémologiques, il faut qu'il y ait des réflexions sur les finalités. Donc il faut effectivement réfléchir entre pairs avec des chercheurs extérieurs, des spécialistes de la pédagogie universitaire, etc. Si vous voulez, je crois que le SUP peut être une structure, justement, pour faire ça. Aujourd'hui, on a vu l'exposé des innovations. C'est une phase absolument essentielle. Mais une formation vraiment sérieuse, c'est un groupe de travail qui fonctionne dans la durée, en analysant ces pratiques, en les confrontant à d'autres et en les analysant en fonction de grilles épistémologiques, de grilles sociologiques, etc., et dans une réflexion critique. C'est ça le cœur. Après, bien sûr, il y a tout un tas d'autres choses. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est possible à l'université, etc. Voilà. Ça demande du temps. Ça demande pas beaucoup d'argent. Hein. Ça demande du temps. Sur la durée. Merci d'abord pour votre propos tout à fait lumineux et passionnant. Je voudrais vous poser une question qui vient du fait de ce que vous avez dit, avoir beaucoup travaillé notamment sur la pédagogie dans l'enseignement secondaire. Et j'ai le sentiment pour ma part que nous n'avons pas, en tout cas la plupart d'entre nous, beaucoup de contacts, pour ne pas dire pas du tout, avec les enseignants du secondaire, qui nous permettent de comprendre ce que notre public, qui, on l'a dit, a beaucoup changé, mais pour de multiples facteurs, notamment aussi parce que l'enseignement secondaire a changé depuis que nous y étions, par exemple. Et tous n'ont pas en permanence à la maison des ados qui sont en terminale. Je voudrais savoir si vous pensez qu'il faudrait... au moins pour mieux comprendre quel est notre public tel qu'il nous arrive en première année, est-ce que des échanges pourraient être utiles, de réflexion sur les pratiques pédagogiques des uns et des autres, afin que nous comprenions mieux ce que nos étudiants savent faire. Ils ne savent pas faire les mêmes choses que nous savions faire en sortant de terminale, mais ils savent faire d'autres choses. Et j'ai souvent eu le sentiment que nous négligions d'utiliser les savoir-faire avec lesquels ils arrivaient. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait accentuer ces échanges ou les créer tout simplement? Oui, je crois, parce que en fait, ce qui arrive à l'université aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à l'enseignement secondaire dans les années 76 avec la création du collège unique, de toute façon. Donc, je ne veux pas dire que les enseignants du secondaire... en ont tiré toutes les conséquences. Il y a des problèmes aussi au collège ou au lycée, au cas où... vous vous en doutez. Voilà. Mais je crois que... Alors, il y a deux choses. Effectivement, je crois que ce sera intéressant parce que d'échanger sur ce que sont les élèves et les étudiants aujourd'hui. Et puis, il y a, dans l'enseignement secondaire, toute une recherche pédagogique qui s'est structurée depuis les années 70. 1970,
autour d'associations. Je pense aux IREM pour les mathématiques, je pense aux associations pour l'enseignement des sciences, etc. Il y a eu beaucoup de choses de fait. Il y a toute une littérature didactique considérable. Il y a des revues, etc. Et donc, je pense que dans cet effort d'innovation universitaire, il y a à s'inspirer des démarches qui ont été faites, notamment... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des didacticiens des sciences sur au fond, l'analyse des savoirs à enseigner. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, que finalement, quand on est obligé quelquefois de sélectionner dans le savoir à enseigner ce qui est vraiment essentiel. Voilà. Comment on détermine l'essentiel ? Ça ne va pas de soi. Ça nécessite toute une réflexion épistémologique et sociologique, tout ce que vous voudrez. Bon, voilà. Donc ça, ce travail didactique est fait dans des associations, dans des revues. Et je pense que la pédagogie universitaire aurait tort de se priver de ces échanges. Alors évidemment, il y a des problèmes spécifiques à l'université, hein, ça c'est bien sûr. Hein, mais il y a du travail de fait. Voilà, on n'est pas au début de quelque chose, ou du moins ce qui se passe à l'université peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je crois que ça serait sage, en effet. Oui, je souhaiterais faire un peu de pause, effectivement, sur la question de la formation et peut-être ajouter une caractéristique qui distingue l'enseignant universitaire de l'enseignant secondaire et qui représente, selon beaucoup des chercheurs et des gens qui travaillent et réfléchissent sur la question de la formation en pédagogie universitaire, un capital. C'est le fait d'être aussi chercheur. C'est le fait d'être passé par la recherche. C'est le fait d'avoir cette identité qui s'ajoute à celle de quelqu'un qui est là aussi pour former. Et dans un mouvement que vous connaissez peut-être en partie, là, qui est le SOTL, ou le Scholarship of Teaching and Learning, qui nous vient d'un excellent rapport qui avait été produit par un homme du nom de Boyer aux États-Unis, qui essayait de voir comment on pouvait amener l'enseignement à un statut suffisamment élevé, comparable du moins à celui de la recherche dans l'espace universitaire. Alors, c'est cette notion de scholar ou d'érudit. Alors, érudit, donc une personne reconnue pour son expertise dans le sens de ses compétences d'enseignement. De là, donc, l'idée qu'on propose depuis un bon... peut-être une dizaine d'années dans les formations que l'on offre à l'Université de Sherbrooke, d'un continuum. Au-delà de la dimension réflexive qui a été évoquée tout à l'heure, il y a celle, et c'est une posture pour nous qu'on cherche à développer dans les formations que nous offrons, de praticiens-chercheurs. Donc, il y a le praticien réflexif, tel que Schoen, par exemple, le propose, et pour le professeur d'université, il y a une plus-value qui peut être justement exploitée, celle de cette posture de chercheur par sa formation initiale dans sa discipline. Donc, en tant que praticien-chercheur, sa formation peut aller un pas plus loin. Au-delà de réfléchir sur sa pratique, il sait alors l'importance qu'il doit accorder à la littérature, comment il peut chercher à documenter ses pratiques et à formaliser cette praxéologie, cette pratique éducative dans laquelle il s'inscrit, pour éventuellement contribuer, ne serait-ce qu'à un titre quand même modeste parfois, à théoriser cette pratique, effectivement, ce double ancrage là, par rapport à la pédagogie universitaire. Alors voilà, de la façon dont nous l'avons un peu conceptualisé, inspiré par ce mouvement de Scholarship of Teaching and Learning. Nous avons une autre question là-haut. Oui, bonjour. Donc, on parle de pédagogie pendant l'apprentissage. Par contre, on ne met pas en regard les méthodes d'évaluation de nos apprentissages. Et je pensais, pour faire suite à l'intervenant sur les nouveaux élèves qu'on a qui arrivent du secondaire, avec des aptitudes qui sont différentes, mais qui sont là, notamment des aptitudes vis-à-vis des nouveaux modes de communication audiovisuels. Ils sont très doués pour comprendre tout ce qui est communication orale, pour écouter. Mais par contre, au niveau de la lecture et
du rendu écrit. Et donc peut-être que, par exemple, Dorian, lorsqu'il fait ses expériences, il y a une partie de ses élèves qui, effectivement, sont très intéressés pendant le cours, mais avec un mode d'évaluation qui est en décalage par rapport à leur mode de communication, ne montre aucune progression. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cet intérêt pendant le cours, mais il faut aussi penser la pédagogie aussi jusqu'au mode d'évaluation, les mettre en phase. Oui, certainement. Il faut quand même aussi s'interroger sur est-ce que l'écrit est fondamental ? Voilà. Ah non, mais est-ce que l'écrit est fondamental ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de savoir lire et savoir écrire, est-ce que c'est fondamental ? Or, si on sait qu'il y a quand même un gros problème, là, du côté, alors pour le coup, de l'enseignement secondaire, il y a un gros problème du côté, effectivement, de la lecture. Enfin, je ne parle pas de l'apprentissage de la lecture. Je parle de la fréquentation des livres et puis aussi du savoir écrire, enfin, du savoir rédiger. Alors là, il y a aussi une interrogation à savoir est-ce que la science est une science de l'écrit et quel est le rôle de l'écrit dans la science. Alors c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'au fond, il faut bien s'adapter aux nouvelles façons de penser des étudiants. Il faut aussi réfléchir, d'autre part, à ce que sont les exigences d'un savoir universitaire. Et je crois que là, du côté de l'écrit, il y a une grosse réflexion à faire. Enfin, ouais. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Thank you.